La première chaîne diffusait pour la première fois en clair le film de Julien Rambaldi, Bienvenue à Marly-Gaumont. Elle a convaincu 4,67 millions de cinéphiles. TF1 s'est une nouvelle fois placée en tête des audiences dimanche soir. La première chaîne, qui diffusait Bienvenue à Marly-Gaumont, film de Julien Rambaldi avec Marc Zynga et Aïssa Maïga, a convaincu 4,67 millions de cinéphiles, soit 25,3% du public, d'après les données publiées par Médiamétrie lundi matin. Les 4,2 millions d'amateurs de sport qui ont regardé les championnats européens permettent à France 2 de se hisser sur la deuxième marche du podium avec 22,1% du public. Capital en bonne forme. Capital, avec son émission consacrée aux formules gagnantes des vacances, des clubs tout compris aux hôtels qui cherchent à convaincre les enfants pour faire revenir les parents, offre la troisième place à M6. La chaîne privée a séduit 1,5 million de personnes et 8,1% du public. Au pied du podium, France 3, qui diffusait le final de la saison 1 de la série Maltese, a attiré 1,5 million de curieux pour 7,8% du public. France 5, avec les 100 lieux qu'il faut voir qui ont transporté 742,000 téléspectateurs, soit 4,0% du public, arrive 5e. Point TMC leader la TNT. Sur la TNT, TMC arrive première, en 6e position. La chaîne du groupe TF1 diffusait la doublure pour 639,000 amateurs et 3,5% des téléspectateurs présents devant leur poste.